Et voilà, on est parti. Salut Lily. Salut. Salut. Bon, on va faire un petit tuto, une petite marionnette. Une petite marionnette facile. Donc tu vas suivre mes consignes et on va faire une marionnette de chanteur ou de chanteuse. Alors, tu prends ta feuille, on va montrer le bon plan. Tac, on y voit. On va la plier en deux. Donc pose ton feutre. Et on va la plier en deux dans ce sens-là. Ok. Voilà, on essaie de faire à peu près bien. On marque bien le pli sans exagérer. Et n'hésitez pas à tourner la feuille. Ok. Donc tu vois, ça fait comme un petit livre. Dans l'autre sens, regarde. Ouais, très bien. Maintenant, tu prends ton petit livre qui s'ouvre vers le haut comme ça. Ok. Ferme-le. Et la page du dessus, on va la replier comme ça. Ok, on retourne le livre en entier. On retourne tout, voilà. Et la page de derrière, on va la remonter comme ça. Très bien. Si on s'est bien débrouillé, on devrait avoir une forme de... une forme de M comme ça. Ou si on le tient à l'envers, une forme de W. Donc là, c'est bon. Ok. Alors, tu vas remettre ta feuille droite avec le creux au centre. Comme ça. Et tu vas replier le haut. Voilà. Et on va commencer là-dessus. T'es prête ? Alors, on va prendre nos feutres et on va commencer à dessiner. Alors, sur le haut, donc sur la partie du haut, cette partie-là, on va faire une courbe comme ça. Très bien, n'hésite pas à bien monter. Il faut qu'on ait la place de mettre des yeux et toutes sortes de choses là-dedans. On va lui faire une coiffure à notre chanteuse, ok ? Une coiffure un petit peu abracadabrantesque. Alors, on va partir de là où on s'est arrêté. On va partir comme ça. Ouais. On va revenir. On lui fait des mèches. Voilà, on va repartir. Voilà. On va revenir. Tu vois, ma deuxième mèche, elle est un peu plus petite. Ok. On va en faire une troisième encore plus petite. Ok, on va continuer par là, donc on redescend légèrement, ok, stop, on va refaire une petite mèche, une moyenne mèche, voilà, et tu vas faire une grande mèche, alors, une grande ou pas grande, ça dépend de la place qui te reste. Et regarde, on va arriver ici. Donc, je me fais un repère et j'arrive ici. Top. Très bien. Alors, c'est important de connaître ce repère-là parce qu'on va se le reporter en dessous, sur la page du dessous. Donc, vous voyez, j'ai fait mon repère sur ce côté-là. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je fais mon repère qui tombe exactement sous le point là. Ok, on va continuer notre visage du haut, la partie du haut. Alors, la partie du haut, on va lui faire le haut de la bouche. Donc le haut de la bouche, il va être là. Donc on va se refaire des repères cette fois-ci sur la feuille du haut. On va lui faire une grande bouche bien large. Voilà. Et regarde comment tu vas faire. Entre tes deux repères, tu vas trouver le milieu de tes deux repères là. Tu vas faire un point au milieu, à peu près, hein, on ne mesure pas avec la règle, c'est pas la peine. Très bien. Tu vas faire partir de ce repère du milieu, monter et après descendre là. Tu montes et tu fais la courbe, tu descends. Ok, on fait pareil de l'autre côté. Monte pas trop. Alors, tu montes comme tu es monté là. Toi, tu es monté plus que moi, mais tu fais comme tu as fait la première fois. Regarde, tu pars du milieu, tu montes et tu redescends.
Voilà. Et tu redescends. Très bien. On va lui faire un nez. Le nez, on va lui faire un nez pointu. Alors, toujours en se repérant par rapport au milieu de la bouche, on va partir d'un peu au-dessus. Et on va faire une pointe comme ça. Très bien. De part et d'autre du nez, on va faire des yeux. Alors, on va commencer par l'œil qui n'est pas caché par le nez. On va le faire ici. Parfait. Et on va faire un autre œil de l'autre côté qui va être peut-être caché par le nez. Donc, je ne vais pas le finir. Toi, s'il n'est pas caché, tu peux le terminer. Ouais, très bien. On va faire une petite narine en dessous sur le bas du nez. Toi, ton nez, il est vraiment tout petit. Tu fais un tout petit point. Très bien. On va lui faire les pupilles. Alors, les pupilles, regarde, on va la faire regarder vers le ciel. Donc, on met les pupilles en haut des yeux. En haut et en haut. Très bien. On va faire comme on a l'habitude de faire, un petit reflet qu'on ne colorira pas. Et le reste, on le remplit. Alors, tu laisses un petit espace. Ah, d'accord, c'est malin, t'as agrandi. Très bien. Et tu coloris en laissant le reflet. Très bien, comment t'as fait? Et maintenant, on va faire la fin des cheveux. On va lui faire aussi une petite oreille, regarde. Sur le côté là, à l'intérieur des mèches, on va faire une oreille comme ça. Tu vois, j'ai fait comme un C. Très bien. Maintenant, on va partir de cette oreille. Et on va remonter jusqu'à côté des yeux. Très bien. Et regarde là ce qu'on va faire. On va faire une vague qui va arriver jusqu'à notre mèche de là-bas. Donc tu contournes les yeux, tu passes au-dessus et tu reviens à ta première mèche qu'on avait fait au début. Super. On va lui faire des sourcils. Alors si tu n'as pas beaucoup de place, tu fais juste un trait comme ça. Sur l'extérieur de l'œil. Regarde, tu fais à l'extérieur. Si tu le fais à l'intérieur du visage, elle aura l'air fâchée. On ne veut pas qu'elle soit fâchée, notre chanteuse. Et tu peux même les faire un peu qui passent dans les cheveux si tu as besoin de place. Très bien. Et pareil de l'autre côté. Super. Ok. On a fait le haut du visage. On va le faire. La petite oreille, elle aura la même hauteur qui dépasse de la joue. On va faire l'oreille de l'autre côté. Très bien. Et maintenant, on va faire le bas. Alors attention, parce que là, dans tout cet espace-là, on va dessiner le bas du visage et puis on va lui faire un petit corps. Comme si c'était une poupée pop, tu sais, qui a un tout petit corps. Alors, on va lui faire le bas du visage, on va lui faire d'abord le bas de la lèvre. Donc maintenant, à partir de là, on va dessiner de ce côté-là de la feuille. Le bas de la lèvre. On va partir du coin de la bouche là. Et on va arriver à l'autre coin de la bouche. Regarde ce qu'on va faire. On va faire un bel arrondi qui va d'un côté à l'autre de la bouche. Ouh là là. T'as oublié où on allait. On allait là. Hein. C'est pas grave. Elle aura une bouche un peu rigolote. On va lui faire maintenant le menton. Donc on va partir dans dessous des oreilles. Tu vois, donc toi, ça sera en dessous ici, tu vas raccorder, en dessous de l'oreille, et là, toi, ça sera la joue. Ok, et on va, regarde bien, là, tu pars des cheveux, hein. Attention, pars de la joue, voilà. On va passer sous la bouche et arriver au milieu de la bouche, tu vois, dans le centre du visage. Regarde bien, je fais comme ça, et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, on va lui faire un petit menton. Tchouk. Qui est en dessous de la bouche. Très bien. Et maintenant, on va essayer de lui faire un petit corps. Alors, on va le faire très très simple, le corps. Regarde. Sous le menton, on va faire... C'est pas un coup. On va faire un rectangle. Très bien. Regarde. Mets ton dessin là, comme ça, on verra mieux. Hein?
Ok, super. Ça sera son comme son t-shirt. On va lui faire un col à son t-shirt. Il va partir du coin du t-shirt et il va arriver à l'autre coin du t-shirt. Très bien, on va lui faire une robe. La robe, elle va partir d'un côté et de l'autre. Et on va rejoindre les deux bords avec des vagues. Tu vois comment j'ai fait? Donc tu pars des coins de ton t-shirt, tu descends. Très bien. Et tu fais des vagues pour rejoindre les deux traits qu'on vient de faire. Voilà. Tout en dessous de la robe, ou de la jupe, hein, c'est peut-être plutôt une jupe. Tout en dessous, on va lui faire des petits pieds qui dépassent. Toi, tu n'as vraiment pas beaucoup de place, mais tu peux les faire quand même, regarde. Donc tu essaies de les faire de la même taille. Tu fais deux petites boules comme ça qui ne sont pas terminées, hein, parce qu'elles sont cachées par le haut de la robe. Et tu essaies de les faire de la même largeur. Voilà. Et à côté, un autre pied. Très bien. On va lui faire un bras. Alors, elle va avoir un bras qui va aller sur sa hanche. Donc, on va faire comme ça. On va partir du coin en haut de notre t-shirt et regarde ce qu'on va faire. On va faire un arc de cercle qui arrive jusqu'à la taille. Et on va faire un autre arc de cercle qui arrive jusqu'à la taille. Et là, on va faire une petite boule pour la main. Tu vois comment j'ai fait? Tu fais un premier rond jusqu'à la taille, un deuxième rond, et là, tu fais la petite boule pour la main. Très bien. On fait là, de ce côté-là, elle ne va pas avoir la main sur la taille. De ce côté-là, elle va avoir la main qui monte parce qu'elle chante comme ça, elle s'exprime. Alors, regarde ce qu'on va faire. On va partir de là et on va faire légèrement courbé. Regarde comment je fais. On va faire légèrement courbé. Un bras qui va être de la même longueur que ça, de ce côté-là. Donc tu pars de l'épaule. Très bien, top. On va faire le même trait en dessous. Et au bout du trait, on va faire la boule pour la main. Petite boule de la même taille que l'autre. Très bien. Voilà. Si tu veux, on peut rajouter un ou deux plis à la robe. Voilà, parfait. Et maintenant, on va le faire l'intérieur de. Alors là, les cheveux, on va les ramener jusque sous l'oreille. Hein? Voilà, comme ça, il est bien fermé le visage. Maintenant, on va ouvrir notre chanteuse. Ouah, on va lui ouvrir la bouche. Allez, tu ouvres. Très bien. La première chose qu'on va faire, on va rejoindre la joue. Avec le bout de la joue, avec le bout de la joue, avec un trait le plus droit possible, le plus vertical possible. On descend bien droit, je vois où je vais. Je ne perds pas de vue là où je vais. Voilà. Je perds pas de vue là où tu vas. Si tu préfères en montant, tu fais en montant. Très bien. Et on fait pareil de l'autre côté. On descend bien tout droit, bien tout droit. A rejoint? Parfait. Qu'est-ce qu'il est droit ce trait? On dirait que tu as utilisé une règle, dis donc. Alors, on va rejoindre aussi les bords de la bouche. On fait exactement pareil. Un trait bien droit qui rejoint les coins de la bouche, le haut avec le bas. Si tu préfères en montant, tu fais en montant, sinon tu fais en descendant. Parfait. Parfait. Alors, maintenant, on va faire les lèvres. Alors, les lèvres, on va lui faire. Donc là, tu vois où est le pli? On va dessiner, je ne sais pas si on le voit bien la vidéo, on va dessiner en dessous du pli. Donc oui, tu peux même faire comme ça, c'est pas bête. Ouais, c'est pas bête. On va se faire deux repères, ici et ici. Voilà. Et dans ces repères, on va faire un trait. Très Un petit peu bien. courbé. On va faire pareil ici. On va faire deux repères et un trait. Très bien. Et on va à nouveau rejoindre ces traits. On dirait un petit labyrinthe. Ouais. Et toutes ces lèvres qu'on vient de faire, donc là je vais les déplier pour montrer. Tout ça,
on le fera avec une couleur de rouge à lèvres. On peut le faire rouge, on peut le faire rouge un peu marron, le rouge à lèvres qu'on veut. Hein, moi, je le ferai bien rouge, comme ça, on verra bien que c'est du rouge à lèvres, parce que notre chanteuse, elle est coquette, elle est maquillée. Alors, maintenant, on va faire des grandes dents, parce qu'elle a la bouche grande ouverte, alors on va voir ses dents. Donc, comment on va faire? On va... Oh, il y a un petit moucheron qui nous gêne, va-t'en. Alors, pour les dents, tu vas faire un petit repère, tu vois, en dessous de la lèvre, un petit repère. Tu vois comment j'ai fait? Pas collé, hein? Ouais, très bien. Tu vas faire un petit trait qui descend. Très bien. À côté de ce trait, tu vas faire les mêmes traits sur les côtés. Un peu plus petit. Ouais, un peu plus petit. Tu peux les faire de la même taille, c'est comme tu veux. Très bien. On va les rejoindre avec... Regarde. Tu vois comment j'ai fait? Deux traits qui ne sont pas tout à fait horizontaux, ils sont un petit peu bombés. Ouais, tu les as bien fait. On va en refaire un encore sur le côté encore plus petit. Voilà. Très bien. On rejoint encore. Voilà. Et maintenant, jusqu'au bord de la bouche, on va faire un dernier trait pour rejoindre le bord de la bouche. Là, parfait. Maintenant, pour le haut des dents, on va faire des ponts comme ça. On va faire, hop, j'y rejoins la dent, hop, je rejoins la dent, je rejoins. On prend son temps et on fait des jolis ponts. Ils sont très beaux, tes ponts. Très bien, on lui a fait des belles dents. On va faire pareil en bas. On va faire au-dessus de la lèvre un repère bien au milieu. Au-dessus, colle pas à la lèvre. Voilà, très bien. Ok. Fais-le peut-être un peu plus long. Hein, voilà. On va faire de part et d'autre de ce trait deux traits. Et on va refaire encore des traits. Voilà. On les rejoint avec des ponts. Alors, regarde les ponts dans ce sens-là. Ok. Voilà. Tu les rejoins avec des jolis ponts. Et on rejoint jusqu'au bord des lèvres. Très bien. On fait pareil en dessous. On rejoint. Avec des ponts, mais cette fois-ci qui sont dans l'autre sens. Ouais. Bien. Alors, jusqu'en bas, si tu fais une dent. Très bien. Là, donc, il y aura la gencive en dessous des dents. Et là, ça sera les dents. Les dents, on les laissera blanches. On ne les colorira pas. Là, on pourra colorier... À part s'il y a une carie. Sauf s'il y a une carie, mais... Bon, tu peux lui faire une carie si tu veux, mais ce sera moins joli, peut-être. Donc, la gencive, on pourra la faire dans une autre couleur que le rouge à lèvres pour pas qu'on la confonde. On la fera peut-être un petit peu plus foncée. Hein, on la fera rouge foncé ou violet. On va lui faire une langue. Alors, la langue, on va faire sur la partie du bas, donc pas sur cette partie-là. On va la faire en bas de la bouche. C'est pas grave, plie pas. C'est juste pour montrer ce que les gens y voient sur la vidéo. Donc, sur cette partie-là, on va faire une langue. Alors, regarde la langue, ce qu'on va faire. Tu vas partir d'un côté de la bouche et tu vas arriver avec une belle courbe de l'autre côté de la bouche. Voilà, très bien, top. Et ici, on va faire comme le haut d'un cœur. Tu sais, le haut d'un cœur, ça fait comme ça, ça fait deux ponts. Super. Un petit peu plat. C'est pas grave, on a tous des langues différentes. Et à la pointe du cœur en haut, on va faire juste un petit trait qui descend. Parfait. Tout le reste, on va le faire en noir. Ok? Alors, on va prendre un feutre qui colorie vite. Toi, le tien, il va colorier, mais moi, le mien, il est un peu fatigué. Donc, je vais prendre un autre feutre. Tu vois qu'il est un peu plus large et qui va colorier plus vite. Ça, c'est du noir. C'est l'intérieur de la bouche qui n'est pas éclairé. Hein, c'est pas qu'elle a la bouche noire. C'est comme il n'y a pas de lumière, on n'y voit pas à l'intérieur de sa bouche. Applique-toi. Hein. Comme on dit, c'est pas une course. Et évidemment, cette chanteuse-là, eh ben, on pourrait lui faire. On pourrait lui faire un chanteur à côté pour chanter avec lui. Comme ça, ils pourraient chanter à deux. Nous, on a fait deux chanteuses. Peut-être qu'un jour, on fera un tuto chanteur. On pourrait faire un chanteur avec une grosse barbe. Oh, ou avec une moustache.
ou un chanteur qui est bien rasé, pas comme moi. C'est bon? Très bien, t'as presque fini. Continue de t'appliquer. Tu veux lui faire un micro? On peut lui faire un petit micro dans la main qui est tendue. Alors, on fera quand tu as fini. Alors là, attention, comme tu viens de colorier, ne mets pas tes doigts là, parce que ça risque de te tacher les doigts et après de tacher ta feuille. Très bien, on va lui faire un petit micro. Oui. Donc là, dans cette main. Dans cette main, donc regarde, elle l'a dans la main, donc on va traverser sa main en levant le feutre au moment où on traverse la main. Tu vois comment j'ai fait? Là et là. On va faire un autre trait, regarde. Oui, très bien, tu avais déjà trouvé. Un autre trait qui traverse la main. On rejoint le bas comme ça. Et en haut, on va faire une boule. Très bien. Et dans cette boule, tu peux faire, regarde, un quadrillage pour qu'on ait l'impression que c'est une grille. Est-ce que tu arrives à le faire? Pas mal, avec les traits verticaux. Super! Et voilà. Et si on veut, c'est un micro sans fil, ça sera plus simple. Hop, on fait la petite antenne du micro. Ah ouais, t'as fait un micro noir. Très bien. C'est le manche qui est noir. Ok, tu poses le feutre, on essaye de voir si notre marionnette elle marche, si elle chante. Donc on va la replier. On va la replier comme ça. Et on va la prendre au milieu. Tu es prête? Comme ça, ça va être mieux. Oui. Et est-ce qu'on chante? Ouais! Je chante! Alors, qu'est-ce que tu nous chantes, toi? Alors, pouvez-vous chanter? Alors là, c'est pas du chant, c'est du cri. Si on veut la faire crier, on la fait crier, hein, y a pas de problème, c'est notre marionnette. Donc, vous avez vu. Nous, on va la colorier. Mais t'as fini de crier. Bon, nous, on va la colorier et on vous dit à bientôt. À bientôt.